président Jovenel Moïse qui, une autre fois encore, frappe opposition. Il frappe opposition dans la déclaration que le fait. Côté, il retourne avec même parole ça. Si leader dans l'opposition n'a pas posé, il a tapé au sud demain. Peut-être président, il y a une façon capable d'interpréter ça. Et nous connaissons pas la première fois, le président fait des déclarations côté message au codé, j'aime mieux capable de dire, mais un président qui encore critique l'opposition, il dit, qui, pendant rivière ce pouvoir, qui rentre dans sa nulle en véritable instabilité. Opposition pour président, parole il dit hier soir, qui c'est sous instabilité. Il croit que, bien, depuis l'arrivée dans le pouvoir, monsieur dans l'opposition, il va faire mouvement, empêcher que lui-même atterri avec ensemble projet lié, ensemble promesse que le fait population haïtienne. Président Jovenel Moïse, qui encore croit, une femme, une égicite qui veut venir prendre pouvoir, c'est prendre chemin élection. Nous allons inviter nos côtés, un extrait d'intervention président, puisque l'interview a li vraiment pile même pas qu'attendre tout pendant le journal là n'a côté au parti d'Adan mais surtout côté président Jovenel Moïse a encore parlé avec opposition côté hier soir il était ba interview ça avec différents journalistes nationaux et internationaux dans cadre dernier jour grand carnaval qui était organisé dans ville Port-de-Paix. Marcel Joseph en côté au président Jovenel Moïse. Nous prenons des milliers de manifestations déjà pendant 4 ans. Je dis à chaque fois qu'on président en coum parler de changement et nous connaît que moi ça on ça ça veut dire pour vous ou même comme américain changement pas jamais facile et là nous prenons décision pour nous changer Jean Moon te con gérer l'état en Haïti les bail problème dans niveau électricité par exemple nous quoi au courant ou connaît qui réforme qu'a fait dans secteur énergie en Haïti qui va le lobby que monsieur Damza a gagné dans toutes les grandes capitales du monde entier. Vous connaissez. Mais nous-mêmes, nous prenons décision parce que le monde va regarder là. Ou parler de fête. Carnaval sont fêtes traditionnelles, sont fêtes nationales, qui fait chaque année. Aujourd'hui, nous décidons de faire carnaval là, dans Port-de-Paix. Port-de-Paix, ville où il est aujourd'hui là. Son ville qui oublie depuis le nous indépendants en 1804 pour arriver aujourd'hui. Nous prenons décision aujourd'hui pour le monde entier, mettre caméra, même si la caméra pas aujourd'hui, sous ville ça. Nous prenons décision pour que le monde entier mette caméra sous ville ça, parce que c'est la ville de paix, c'est la ville de la tolérance, et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui, nous menons gros festivités ça là. Protestation à Paléo, c'est normal, parce que nous sommes en démocratie. C'est normal à ce que y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes, nous clairs, ça n'a pas fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, on a goumé avec une série d'oligarques corrompus, des gens qui décident qu'il y a des pays, qu'il y a de l'État que m'a dirigé, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui de retirer l'État en bas de griffio. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas de griffio. Moi-même, comme un chasseur aujourd'hui, je retire ça et m'appelle et m'a dit ça devant caméra le monde entier pays ça pas jamais donner dans ça encore nous pas jamais gain des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux Haïti c'est pour moun ça voilà Haïti c'est pour moi à petit point Haïti c'est pour journalistes ça voilà petit yo Haïti pas pour 5 moun pour 6 moun pour 10 moun moun ça moi mandé non non peuple. Ça, je m'en dis un bref. Et c'est bref que ça, je ne vais pas me taper au sommet pour le bail. Parce que c'est la loi que je dois faire ça pour me dire que voilà, vous tapez côté président République là, Jovenel Moïse depuis Ville-Port-de-Paix, Aye Madia, dans le cadre dernier jour carnaval national là, Blaise. Et je nous t'ai annoncé dans notre titre et monsieur kidnappeur pas chômé, bandit kidnappé Aye Madia mettre na chasse fleur devant collège évangéliste nan Paco. D'après quelques témoins, c'est plusieurs jeunes garçons cagoulés qui étaient dans yon daya tout terrios qui commettent d'axila, victime nan te nan yon Suzuki, à qui un petit lit, il était venu inscrit dans l'école ça.
Pendant bandi yo tap tire ti moun nan te gen chance, li gen tan kouri rentre nan l'école la, machine avocat rete campé devant l'école si la. Il faut nous di, conseil l'ordre avocat Port-au-Prince yo di yo apprendre avec un sentiment révolte, nouvelle kidnapping nan met Nacha Saint-Fleur à Emadia nan zone Babiol. Conseil l'ordre la exprimé tête chargé au gain devant phénomène kidnapping nan ki continue à marcher prend avocat. Ba ou amande autorité policière yo prend disposition pour libérer avocat. Zak sa se yon ampli san ki rappele avocat yo ak société civile la nécessité pour combattre insécurité nan l'idée pour construire yon état de droit nan pays d'Haïti. Fondi notsa pote signati Rosebert Augustin Batonier à I Port-au-Prince. On a toujours été nan cause kidnapping Ludmila Maka puisque hier tout nous apprend nan niveau Delma 19 situation pas trop bon côté nèg kidnappé là bien né Tombo qui c'est qui gen joué les droyens habitant dans zone nan Delma 19 quitté levé campé pour dire exiger libération monsieur bien né Tombo qui gagne les doyens et yo dit à qui habitait dans un an yo dit bandit identifié ces bandits à uniforme police qui kidnappé et monsieur ça dans date qui était 15 février passé dans la Kaili pour protester citoyen yo te bloqué toute cria dans bloc à Delma 19 dans espace en 3 jours kidnapping déjà risqué dans Port-au-Prince sitôt dans commune Delma mais en plus monter passé et causé kidnapping dans fond baissé ou bien elle est pas là encore puisque après quelques jours là ou pas trop entendre ça parler soit sur social ou bien dans la presse. Bon, est-ce que c'est parce que car ou pas d'une jeune la presse ou pas, mais c'est parce que dans zone yo gens ça t'est fait avant dans plusieurs zones et moun yo les connaît les ou kidnappé mon dans zone yo fait mouvement. Est-ce que c'est ça que ça a été? Mais en tout cas, nous pas la presse pendant temps ça yo et pas trop gain ça comme si dans ensemble édition qui parlait de ça. Et hier là, mais pendant jour là, mais hier surtout, gain plusieurs cas kidnapping qui fait dans plusieurs zones, j'en sais dire là dans niveau Paco zone collège Saint-Jean évangélique qui trouvent dans zone ça côté maintenant Nacha Saint-Fleur lui-même bandit enlevé lui et dans Delma 19 depuis lundi qui était 15 ans à la veille et bandit avant hier et avant dit bien côté net kidnappé bientôt ça citoyen ça bien le Tombo qui gagne en lui droyer ça veut dire situation kidnapping non mais fait un kidnapping non il retourne à faire surface non en société n'a dit tout non toujours dans journal là pour parler de causer ça hier Ludmila qui fait gros parler dans sur tout réseau social yo côté la presse canadienne sorti mettons gros information dehors pour parler concernant Kaisa Kaisa madame et Ronnie Célestin sénateur centre pays a acheté dans Montréal dans Canada. Eh bien journal la presse dans pays Canada révélé Marie-Louise Célestin madame sénateur Ronnie Célestin acheté dans Montréal une villa pour 4.25 millions de dollars. Marie-Louise Célestin qui s'est une consulte Montréal pour Haïti était déjà possédé d'après information yo d'après journal la presse dans Canada yon kay Laval avec Marie-Louise Célestin avant Noël dit période de Noël. Nouveau cas, il a acheté pour 4.25 millions de l'argent des îles déjà. Et il a payé le cash, ça veut dire payer l'argent en main. D'après information, journal-là lui-même a rapporté que nous-mêmes, n'a rapporté par nous-mêmes là. Mais journal-là dit, j'en dis là, il a acheté ça pour 4.25 millions de dollars. Il a payé le cash, un seul coup. Là, c'est ça, nous l'a dit. Et sans hypothèque. Sans hypothèque, monde qui n'a causé immobilier, il a comprendre bien ça, me l'a dit là. Et ça, on pas vendre premier Kaila d'après Régis foncier dans le pays Canada. Haïti a toujours gagné deux cailles. Villa a 4 salles de bain, yon espace pour 10 machines, yon terrain 66 000 pieds carrés avec fontaine et piscine, d'après données journal Labaye. Avocat Montréalais qui est sénateur, M. Alexandre Bergerin, qui soulignait nouveau caille, ça c'est seulement pour madame sénateur. Ak piti li et sénateur n'a pas aucune idée de venir habiter Montréal. Et dire, et ça c'est bien, d'accord, capable dit bien, Marie et Louisa Célestin, avec petite li, que lui-même, li censé mettre là, ce côté, non, en Canada. Sénateur, non, poste li, comme sénateur, l'a continué fait travail li, et je n'ai la cap rapporté toujours. Avocat, fait qu'on est, eh bien, avant longtemps, couple là, a vendu l'autre caille là, il a gagné la valeur. Elle dit, apprendre que couple là va vendre, caille t'a gagné la valeur là, on comprend, par contre, ça va faire avec ça, selon ça, journal là, lui-même, l'idée, il rapporte là. Maître Bergevin fait qu'on est, Ronnie Célestin, avec madame Ni, qui a un pile succès, dans l'entreprise, yo, fortune, yo, pas gagné rien pour louer à quelle fonction, que yo, occupé dans l'État.
Client moyen, c'est un riche industriel qui a plusieurs entreprises connues dans le commerce ciment et céramique et puis il fait commerce avec pays la Chine. Ça veut dire, c'est ça, avocat, avocat Avoni Céleste, avocat famille, lui-même, il fait connaître. Faut nous dire que 4 millions de dollars, ça fait un pile parler, j'en ai dit, dans le pays Canada, ni en Haïti. Divers observateurs croient anormal pour un sénateur qui a toute agence ça dans un pays pauvre. Côté jeudi, il y a misère, monde qui n'a pas quartier populaire, dans Cité Soleil, dans Raboto, dans la Saline, dans et la village de Dieu. Là, dans Grand Ravine, pour ne citer là seulement, côté, chaque jour qui passait, un bien souffrance, monde ça vient de augmenter. Et je dis, en pile, monde dit tout, expert dit, un bien, monde a vivre à moins que 2 dollars, 1 dollar américain chaque jour. Et vous trouvez que, ben, livre vraiment anormal, un pays pauvre, tant qu'au Haïti, pour un sénateur, ensemble avec madame, ni posséder, et fortune ça, un cas qui est valé à 4,25 millions de dollars, et vous payez ça. Je ne dis là, ça fait gros tollé sur toutes les réseaux sociaux. Mais jusqu'à présent, il y a un sénateur, ancien député, mais qui est sénateur actuel là, non, pour le département centre, lui, bon, bah, on est s'il va aller sur la station, mais Radio Méga, il s'est contacté jusqu'à présent pour être capable de jouer dans le sénateur pour nous connaître. Effectivement, ça, journal, journal 13 Canada est sorti concernant Madame Ni, qui vient de ça dans Montréal. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais jusqu'à présent, Radio Méga nous fait tout contact avec le sénateur, nous sommes capables de jouer l'information. Ça, dans bouche ni pour nous connaître, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais nous continuons à faire contact avec le sénateur, relé pour nous connaître, est-ce que c'est vrai? Ça, journal La Presse Canada lui-même dit concernant Kaïsila le bien. Mais quand nous dit que Kaïsila a gagné, Réseau National Cap Défendu à Mounio RNDDH qui lui-même réagit sur ça. Naturellement, Blaise a gagné Réseau National Cap Défendu à Mounio qui qualifiait de scandale causé Kaïsila qui semblait à corruption et puis blanchiment l'argent. RNDDH mandé pour UCREF et ULCC ouvrir une enquête pour capable identifier bien coupe ça te gagné avant yoté rentré dans l'État. Nous allons inviter les amis auditeurs à écouter Marie-Rosie du Sénat qui était dans le micro. Jean-Philippe Masséan qui t'a baillé à ville sous dossier Kaïsila. RNDDH apprend que sénateur Winnie Célestin et Madame Ni acheté une villa dans le Canada pour plus passer 4 millions de dollars. Au niveau de RNDDH, nous trouvons que c'est scandaleux, d'autant plus que ça drôlement semblait, nous t'a dit, à un cas classique de corruption et de blanchiment des avoirs. Et comme justement, nous pas qu'à comprendre qui côté coupe Célestin, en jeune qualité l'argent, ça, nous demandons pour UCREF ouvrir une enquête pressée pour identifier bien coupe là, t'es gagné avant que occupé posture. Dans ce sens, ça, n'a rappeler que Madame Célestin, c'est un diplomate dans le Canada. Et dans le cas d'enquête, ça a tout, nous demandé pour que yo exige couple là tout détail sous provenance calqué somme l'argent, ça, parce que pour nous, au niveau de RNDDH, émolument, yo pas qu'à permettre yo gagner tout l'argent, ça, pour capable acheter villa, ça, l'argent comptant. Nous entendons tout information qui laisse quoi que sénateur, ou ni Célestin, c'est un gros entrepreneur et que ça t'a facilité le gain tout l'argent, ça. Et pour nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous pensons que justement, c'est une information en plus qui montre très importance pour enquête ça a l'ouvrir sous et bien que sénateur avec madame n'y possédait parce que n'a parlé de un pile l'argent n'a parlé d'un gros somme l'argent qui baille cash pour acheter une villa. Déclaration responsable à programme dans Réseau National Cap Défendu à Mounio, Marie-Rosie Auguste du Sénat, qui t'a placé mon pas RNDDH concernant dossier Kaïsa. Eh bien, madame Rony Célestin, Marie-Louisa Célestin, acheté dans un mot réel. N'avancez avec information toujours dans le journal Méga Maté, gain ancien magistrat Port-au-Prince, magistrat principal Port-au-Prince, qui c'est Ralph Yuri Chevrine, qu'on a information ça dimanche qui était 14 février, l'altérivé jeune, eh bien, autorité va boy site, l'altérivé arrivé juin de Paysien, arrestation Ralph Yuri Chevry dans la République dominicaine. Côté la police, mais autorité policière dans Saint-Domingue, arrêté Ralph Yuri Chevry. Côté déjà, jeudi mercredi, a fait 3 jours en bas main autorité dominicaine. Yo, journaliste Nzario lui-même rapporté en ce magistrat Ralph Yuri Chevry, fait qu'on est tourné en Haïti, la mourit. Journal a rapporté tout. Eh bien, l'armée dominicaine a posé la patte sur ce magistrat à 3 autres parmi eux, 2 policiers. Haïtien qui parmi eux qui c'est Antoine Mackenzie à Wickenson sous frontière Santiago de Abonnant moun sa yo te nan yo machine suspect. Faut nous dit dans lettre RNDDH voye bay ministère affaires étrangères dominicain
demander protection pour Yuri Chevry. Il dit qu'à Sibi, persécution politique, ça qui poussait l'obligé à prendre refuge en République dominicaine. À travers ça, directeur exécutif réseau national Cap Défendoir Mounio Pierre Espérance exigeait statut refuge politique pour ancien magistrat Ralph Yuri Chevry. Mais, n'a font-il rappel, tout ne songez, dans la dernière conférence, eh bien, la police te baille, pour parole PNH là, qui s'est Gary Desrosiers, l'été fait qu'on est, mais qui a envie de recherche, qui mettait derrière Ralph Yuri Chevry, et l'été parlé concernant une policier, une monsieur qui a fait un mouvement fantôme 609, un certain de Côte-Trois, la police t'est arrêtée, l'été fait pile révélation, et révélation ça, où t'as semblé, l'été a cité, non, ancien magistrat Ralph Yuri Chevry, parmi monde, mais parmi auteur, non, mouvement fantôme 609, et la police qui déjà fait plusieurs descendre de la caille, qui déjà la caille Ralph Yuri Chevry, il n'y a pas de juin ni, bien, la police qui était toujours à chercher Ralph Yuri Chevry, ancien magistrat, Port-au-Prince, non, dans le dernier mandat de ce passé à la. Est-ce que l'autorité dominicaine, il pral pimpé par bon ici, Ralph Yuri Chevry, bah, autorité policière, autorité haïtienne, ces questions, puis on a posé, mais non, on a parlé à la, et Ralph Yuri Chevry, ancien magistrat principal, commune Port-au-Prince, l'a réfléchi des quatre murailles en République dominicaine. L'autre dossier Blaise, en Fondation J'éclairé dénoncé une situation tension qui a prégné dans Gonaïve depuis après laisser frapper qui était éclaté entre Petit Méguerrier à la Saint-Paul Dan, un chef bandit proche pouvoir dans Gonaïve avec délégué départemental la Tibonite Jean Osner Amizial. Discussion ça qui était arrivé à cause un problème l'argent, déjà la cause yon moun mouri à plusieurs l'autre blessé à balle. Depuis les sa violence déclenchée dans Gonaïve, côté majorité bureau l'État yo passé en bas d'ife à Deschoukay. Directrice programme FJKLA mandé président Jovenel Moïse prend conscience qu'il pas qu'à continuer à forcer rete sous pouvoir dans un climat côté là pas fait rien. N'a coûté Marie-Hélène Gilles qui était dans micro collaborateur nous Peterson Blaise, mais faut nous rappeler quelques jours après président Jovenel Moïse était révoqué délégué départemental et départemental l'agent Osner Amizial qui était remplacé par Enoch Géné Génélus. En écoutant Marie-Hélène Gilles qui était dans micro collaborateur nous Blaise Peterson. Bon, nous apprenons suite à une discussion de deux branches qui supportent pour voir tête calée à Gonaïve qui sont l'agent qui mal distribué. Parti délégué départemental l'agent Osner Amizial et puis qui proche chef de gang de Kaoua, qui est le Polda Petit Méguerrier, qui connaît sous le nom Polda, yo te marié zam yo sous date là. Pendant mariage coup de zam sa yo, gen moun ki mouri, gen moun ki prend balle. Donc Polda li même qui n'a qu'un pouvoir en place là, li vé prend balle. Donc nous notons que suite à événement sa yo qui te yvé ya, et nous prenons la rue dans Gonaïve, puis nous disons Polda prend quoi faire nous mal. C'est comme si nous invitions le groupe Polda pour venir jouer un camp qui est en opposition à Jovenel. Là. Dans ces circonstances-là, jeudi 11 février 2021, ville Gonaïve connaît une mauvaise journée, une journée de terreur. Côté au boulet local, palais de justice, il y a incendié bureau de loyer, commissaire gouvernement, greffe, tribunal, parquet, archives. OPC, tout passé en bas du feu. Donc, bureau qui loge et Barbaoua, lui-même tout, il passé en bas du feu. Bureau la mairie, bureau assistance légale là, bureau tribunal de paix, ils ont tout brûlé. FJKL Coeur, il est nécessaire pour rappeler pour tout le monde. Dans le moment où ça, l'hôpital, l'école, l'église, temple, local tribunal, parquet, bureau assistance légale, cabinet d'avocats, médias, organisation de défense des droits humains, commissariat, bureau ça n'a pas de faire l'objet d'attaque. Nous demandons au président Jovenel Moïse pour faire le clair, pour mettre la dé à l'évidence. Parce que personne n'est pas capable de diriger un peuple contre volonté peuple. Que le lien la vie internationale, ça n'a pas suffi pour le président qui a le pouvoir. Ça montre nous clair. Il n'est pas capable et rempli, ou bien pas capable de faire ancienne, exécuter ancien projet d'envergure, aujourd'hui, à notre pays, comme des menaces. Voilà, ça c'est responsable Fondation J'éclairé à Marie-Yolène Gilles, qui lui-même, FJKL, qui place mon paro concernant ce qui a passé dans la ville Gonaïve, dernier temps, ça y est, Gonaïve, qui a connu
yon moment très difficile par rapport avec bataille qui gagne le bossa zam qui passe suspend chanter dans ville Gonaïve. Jean Taler a noté tant des présidents Jovenel Moïse qui lui-même encore a pas le passé de les opposition lui dit qui a créé stabilité en dans pays depuis l'arrivée dans tête pouvoir ça dans tête pays côté opposition ces manifestations ces mouvements dans la ria pour exiger pour qu'elle capable bataille dans tête pays mais avant même déclaration sa président fait hier soir, mais avant même, dans samedi qui était 13 février à la veille, carnaval national dans la ville à Port-de-Paix, président qui encore été à critiquer l'opposition, hein, qui toujours a pas créé instabilité. Écoutez, le même, là, j'ai dû être li, dans la parole li, un peu le monde dit, qui semblait être coupé avec parole li Dio, ancien sénateur Yuri La Tortue, concernant sa capacité dans la ville de Gonaïve, là, il voulait acquiser ancien sénateur, mais qui est responsable de la nouvelle orientation pour libérer Haïti, ancien sénateur lui, Gérald Gilles, qui exprimait si Paul Baye qui pote, si Paul dit bien, Baye, ancien sénateur Yuri La Tortue, lui dit président, t'es décidé d'attaquer le Nayon, un discours, un carnaval Port de Paix. C'est parlementaire à Croix, série déclaration ça a prouvé une autre fois encore. Président Jovenel Moïse a décidé de prendre la dictature de façon à continuer à menacer opposants. En côté, ancien sénateur, lui, Gérald Gilles, dans le micro Radio Méga. Bon, définitivement, nous, ouais, c'était un roi Mardi Gras qui t'a fait Mardi Gras. Nous, ouais, tout, c'est un monde qui, définitivement, il pas caché, il pas donc une décence pour le cacher. Il montre limité costume dictateur Soli. Et on montre tout qui met en costume dictateur et dictateur qui a fait tout ça le capable pour effrayer non pas seulement population, tout effrayeur puis cause de peur. Nous ayons fait au niveau de population, nous fait avec tout ça qu'on est en kidnapping, bandit qui a fait la loi. Tout le monde ne vous donne rien, mais lui-même, il prend costume, un roi Mardi Gras pour le faire peur. Et bien nous-mêmes, Mardi Gras, pas peur, c'est mon ouïe. C'est comme ça, nous-mêmes, nous voulons, là, pour répéter encore, nous disons haut et fort, Mardi Gras, nous pas peur, c'est mon ouïe. C'est ton petit parole, nous t'avons dit, les petits, les petits, bon Mardi Gras, tout le pays, là. Mais je dis à nous, c'est démagogie qu'a fait, c'est dévoyer, à dévoyer culture nous. Mais nous, on dit, gros effort, président de facto, Jovenel Moïse, mandat terminé, qui va l'envoyer monter contre l'opposition. C'est tout pays, c'est pas même opposition politique, c'est tout pays qui dit, mandat fini, c'est pour reconnaître ça. Et pour nous-mêmes, nous rentrer dans ça où il est état de droit pour nous reconnaître à l'ordre constitutionnel, à l'ordre démocratique. Ou t'as écouté les amis auditeurs, lui Gérald Gilles, responsable nouvelle orientation pour libérer Haïti. Yon l'autre côté, coordonnateur général, organisation base à populaire, non parti Haïti en action, Kossi David, qui t'a préagi sous déclaration chef l'État, fait qu'on est opposition, si tout ancien sénateur, Yuri La Tortue, fait qu'on est l'idée AAA, pas pour contre lui.